Depuis plusieurs années maintenant, Internet a envahi nos vies. Certains ont décidé d'en faire leur métier. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, un exemple concret avec la réussite de cette entreprise de Poligny, dans le Jura. Son créateur est meilleur ouvrier de France, catégorie Internet et multimédia. Et oui, cela existe. Catherine Schulbaum et Richard Negri l'ont rencontré. L'histoire de cet homme est celle d'une success story qui commence dans les cuisines de Bernard Loiseau. Le jeune cuisinier stagiaire est aussi un passionné d'informatique qui convainc le grand chef étoilé de faire sa pub sur Internet. Depuis, Rémi Wayon a abandonné la restauration pour mieux côtoyer les établissements de prestige pour lesquels il crée des sites Internet de très haut vol. Aujourd'hui, un hôtelier ou un restaurateur, il doit renouer un dialogue direct avec le consommateur. Et pour ce faire, il faut qu'il soit équipé. Il faut qu'il soit présent aussi bien dans l'Internet, avec le web et ce qu'on appelle les sites officiels. Il faut qu'il soit présent dans les réseaux sociaux, avec un blog, être présent dans Facebook, Twitter. Mais il faut également qu'il soit équipé de logiciels de réservation, de tables, d'hôtels, de coffrets cadeaux. C'est-à-dire que c'est une palette de solutions que nous avons imaginées, nous, à travers des agences expertes dans chacun des domaines, qui lui permet d'avoir une alternative et de prendre des réservations directes. Le credo de la maison, faire revenir le consommateur aux sources de l'information sans passer par les plateformes de réservation. Rémi Wayon en a même fait un livre, un manifeste pour dire enfin ce que tout le monde a oublié. Aujourd'hui, lorsqu'on veut réserver un établissement, on passe par ces plateformes, mais on ne sait pas qu'en fait, les tarifs, les meilleurs tarifs disponibles, sont disponibles auprès des sites officiels des hôtels et des restaurants. Le cœur de nos agences, c'est de construire les outils personnels des hôteliers et des restaurateurs qui leur permettent d'offrir les meilleurs tarifs auprès des consommateurs. Aujourd'hui, Rémi Wayon est à la tête de 6 agences. Il emploie une centaine de collaborateurs, dont 5 meilleurs ouvriers de France, Internet et multimédia, des pointures qu'il a convaincu de venir s'installer dans le Jura. La raison pour laquelle aujourd'hui une grande majorité de collaborateurs hautement qualifiés nous rejoignent de France ou de l'étranger, 70%, eh bien c'est parce que nous avons un cadre de vie et une région qui est plus connue qu'on ne le croit. Dernier né de la gamme, le réseau Happy & You, qui regroupe l'ensemble de ses agences et offre un bureau d'études aux clients, lui aussi basé à Poligny. Alors, comment travailler dans le domaine de l'Internet? On va répondre à cette question avec notre invité. Bonsoir, Frédéric Lassab. Vous êtes enseignant à l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Vous êtes en charge de la formation des ingénieurs en informatique par alternance. Si l'on a des jeunes devant la télé intéressés pour travailler dans le domaine de l'Internet, faut-il les en dissuader ou plutôt les encourager? Bonsoir. Je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas les dissuader, bien au contraire, les métiers de l'Internet ont de l'avenir, que ce soit les sites web ou tout ce qui tourne autour, les réseaux télécoms et les systèmes d'entreprise par exemple. Alors vous recrutez à quel niveau et sur quels critères à l'UTBM ? Alors nous recrutons à Bac plus 2 et Bac plus 3 généralement sur des niveaux de dossiers parmi les hauts des classements et également les mentions au Bac. Il faut avoir quel bagage pour postuler et faire quelles études auparavant? Alors plutôt des DUT dans le domaine technique de l'informatique, donc réseau, métier du multimédia et de l'Internet et par exemple l'informatique, ou les classes prépa aux grandes écoles, ou éventuellement des BTS ou des licences. Donc déjà un bagage scientifique assez intéressant. Un bagage scientifique assez fort, oui. Alors, vous dirigez une formation par alternance. Est-il difficile, comme dans d'autres secteurs, de trouver un patron dans le domaine de l'Internet? Dans le domaine de l'alternance en informatique, non, c'est relativement facile. Bon. Même en local, il y a des entreprises qui recrutent? En local, nous avons pas mal d'entreprises, notamment PSA et Alstom, qui recrutent des apprentis. Et alors ça, c'est pour les apprentis, mais après, quand vos étudiants sortent une fois le diplôme en poche, mettent-ils du temps à trouver un emploi?
Alors, ils mettent en moyenne à peine plus d'un mois à trouver un premier emploi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il y en a qui mettent moins que zéro sur leur temps, puisqu'ils sont recrutés pendant leur projet de fin d'études. Bon, ben merci beaucoup, Frédéric Lassabre. Je rappelle que vous êtes en charge des formations des ingénieurs en informatique par alternance à l'UTBM. Et vous nous l'avez garanti, les métiers de l'Internet ont de l'avenir. Merci à vous. Oui, merci.